dans quelques secondes. Ce coup d'envoi donné par Maxime Blanc, c'est parti dans cette rencontre. Allez, on va suivre ce coup franc. Rémi Sergio, c'est un centre au deuxième poteau. Bon enfant qui s'est jeté, mais ça ne suffira pas. Sidibé, ce numéro 11 de Villefranche qui va rentrer dans la surface de réparation. Sidibé qui va se mettre sur son pied droit. La frappe de Sidibé, les points de Reno pour écarter le danger. Voilà, première frappe cadrée, Laurent. Allez, Rémi Sergio. Le corner. Sergio. Ce but, non, cette tête, elle est sauvée par Sébastien Reno. Avec Bangoura, beaucoup plus petit gabarit. Oh, qui va trouver Mondi Prunier dans la profondeur. Il y a faute, effectivement. 44e minute et 36 secondes de jeu. Ce coup franc dans la surface de réparation pour l'ouverture du score. Versailles signé Caraboco. Incroyable. Sur une de leurs premières incursions, les Versaillais viennent ouvrir le score face au Caladois. Ce grand numéro 4 qui traînait Caraboco. Et il a mis en sifflé, Laurent. Attention là, parce que c'est les Versaillais qui sont dans la surface et c'est défendu par Moussadek. C'est parti, Sergio, premier poteau, Messoussa qui se jette et ce sera un corner non, un renvoi aux 5m50. Allez Sergio, c'est parti, ce coup franc. Oh, c'est parti, bon enfant. Et quel arrêt incroyable de Sébastien Reno qui s'est étendu. Quelle parade, Laurent, sur cette tête à bout portant de bon enfant. Ouais, Mendes Correa qui en a profité. Bangoura qui s'affiche dans la surface de réparation. Oh là 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 là, et l'arrêt de Sullivan Péan. C'est récupéré une nouvelle fois par les Versaillais. Ça sent bon pour les Versaillais. Et voilà, c'est terminé cette rencontre sur le score d'un but à zéro pour le FC Versailles face au FC Villefranche-Beaujolais.